Alors voici donc la caméra d'action de la marque EasyCure. Donc elle peut filmer en 4K. 40 mètres donc étanchéité, donc jusqu'à 40 mètres profondeur. Elle a un écran donc 2 pouces. Et il y a la fonction donc Wi-Fi. Alors il y a pas mal d'accessoires qui sont livrés avec. Il y en a pas mal comme d'accessoires. Donc tout ça c'est pour les supports, pour les montres et sur différents appareils, que ce soit un casque, des supports casque. Donc pour l'écran, différentes voilà, options pour les fixer. Il y a une télécommande aussi. Petit câble aussi là de recharge. Alors il y a un caisson qui permet justement de la rendre étanche donc sous l'eau. La caméra, la voici. Donc elle est très petite. Ça ressemble donc à une marque plus connue au niveau des aspects. Il y a, c'est bien, il y a deux batteries qui sont livrées avec. Donc, on a une ici. Donc voilà, deux chargeurs qui permettent de recharger les deux batteries en même temps. C'est pratique, ce qui permet de toujours en avoir une de charger. La caméra pourrait le sommet dans son emplacement. Ça se referme. Alors il y a un bouton marche. Ouais. Le bouton d'action. La batterie se met ici, donc ça fonctionne avec une... Enfin, si on veut micro USB, maximum 128 Go. Alors voilà, donc c'est assez simple. Donc il y a plusieurs réglages possibles. On peut s'en servir aussi comme une dashcam. Donc, il permet de filmer, voilà, en fait, plusieurs... résolution. Dans les paramètres là, voilà. La anti-tremblement donc pour la stabilité de l'image, résolution vidéo en 4K à 30, alors c'est 30 images par seconde, hein. En 2K aussi donc 30 images par seconde, 1080p donc 60 par seconde ou 1080 donc 60, 30 par seconde, et 720, 120 par seconde. Voilà, mode voiture. Donc il y a une application si on veut télécharger. Alors, donc il y a le Wi-Fi. Elle a son Wi-Fi, donc ce qui permet bah, après de la contrôler avec un smartphone ou une tablette par exemple. Donc ça va, je veux dire, c'est quand même assez correct au niveau résolution. Bon, bien sûr, c'est plus pour un usage amateur. Hein. Si on veut des choses un peu plus voilà, poussées, si c'est notre métier, etc. Bon, dans ce cas-là, on peut peut-être passer sur une marque plus connue. Mais franchement, pour le prix en plus, elle est à peu près un peu moins de 80 euros là en ce moment. Bah, c'est quand même une bonne alternative. Surtout qu'elle peut aller vraiment sous l'eau. Puis il y a surtout tous ces supports qu'on peut voilà, pour la fixer sur un vélo, sur un casque. Voilà, il y a vraiment là, il y a tout ce qu'il faut, quoi. J'espère que ça vous a été utile.